Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la DG Team arrive sur Star Citizen. On a officiellement ouvert notre corporation sur le site RSI. Donc, je vous donnerai tout dans la description de la vidéo. On recrute toutes sortes de personnes, d'accord? Débutants, anciens, vétérans, ce que vous voulez. Tous les débutants, on les prendra en charge pour leur expliquer de A à Z le jeu, pas par un simple tuto, par des partages d'écran et tout ce qui va avec. Ça les aidera beaucoup, beaucoup plus. Donc sur le site RSI, vous pourrez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande. Donc ce n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'on va pas se limiter à deux activités, on va vraiment faire une globalité de nos activités. On va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout. Et en plus, voilà, si on peut aider les nouveaux, que ce soit pour le farming, pour le minage, pour le salvage, on le fera aussi. Donc, dans la description, les amis, il y a le Discord et le site pour nous rejoindre sur JCR ici. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir en masse. Et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte. N'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur Star Citizen. Voilà. Bonne vidéo à vous. Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu comme la dernière fois. J'ai décidé de faire un peu une mini-série sur ça parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, on va dire, en termes de matière, mais c'est une vidéo sur le commerce. Voilà, on va tout simplement faire du commerce sur Star, hein, donc comme on avait fait dans l'épisode précédent. Donc là, juste, ne faites pas attention à ma conduite. Comment expliquer? Je suis passé en Sotas. Donc Sotas, pour ceux qui ne le savent pas, c'est double joystick. Voilà, double joystick plus pédalier. Donc on va dire que j'ai du mal à m'y mettre, à m'orienter là-dessus, donc c'est assez compliqué pour ma conduite, mais ça va, je commence à petit prendre la main, et c'est vraiment pas dégueu. Donc, s'il y en a que ça intéresse de faire des tutos là-dessus, je pourrais essayer d'en faire, même si honnêtement, je serais pas le professionnel, donc je vous redirigerai sur une vidéo qui sera adéquate, que moi en tout cas j'ai utilisé, et c'est quelqu'un de très gentil qui m'a aidé même en vocal sur Discord. Donc, passons aux choses sérieuses. Nous allons faire du commerce. Donc le commerce, on va le faire sur le béryl. Donc le béryl, vous pouvez le mieux tomber en plus, j'y suis. C'est sur Microtech. Donc il y a, c'est sur Chemin 10. Donc c'est ici. Tac. Donc là, hop. On va y aller. Donc moi, je vous conseille à tous, je le dis dans la vidéo, de faire très attention. En ce moment, il y a énormément, mais alors énormément de personnes qui chassent les commerçants, on va dire. Pourquoi? Je m'explique. Nous, la dernière fois, on a vu des mecs se faire défoncer. Et nous-mêmes, après. Avec la corpo, on a fait un petit blocus d'une petite heure et demie sur un lieu et on en a déglingué pas mal. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Là, j'ai décidé d'y aller tout seul. Hop, j'avais oublié d'enlever ça, désolé. J'ai décidé d'y aller tout seul parce que on n'est pas beaucoup sur le serveur. Et puis, honnêtement, moi, je m'en fous. C'est pas ça pour l'argent, je fais juste ça pour la vidéo avant toute chose. Donc, voilà. Donc, faites juste très attention quand vous arrivez, vous voyez un vaisseau suspect. Moi, je fais pas de. Je fais très attention à ce qui se fait, on va dire. Tac. Donc, j'ai profité un petit peu là, même si je ferai une petite pause certainement pour les 24 km, parce que le Caterpillar dans l'atmosphère, c'est pas une dinguerie. Je profite encore pour vous dire qu'on recrute toujours, que ce soit des nouveaux ou des vétérans de Star Citizen. On recrute tout le monde sans distinction. Il vous suffit juste d'avoir le jeu et de vous être abonné à ma chaîne. Je rigole, l'abonnement à ma chaîne n'est pas obligatoire. On recrute tout le monde, vraiment. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord de la Corpo, qu'on puisse discuter, que vous passez votre petit entretien pour nous rejoindre. A savoir que si vous voulez faciliter l'entretien, faites un petit
allez sur le site où il y a les organisations, là où j'ai mis la page, vous pourrez trouver notre corporation DGTeamFR. Faites déjà une demande. Donc dans la demande, n'hésitez pas à mettre votre pseudo et puis ça passera. Passez sur Discord après pour nous dire que vous avez fait ça et puis on pourra directement passer à l'entretien vocal. Donc les amis, aussi, cette vidéo devrait sortir encore à temps. Bientôt les 600 abonnés. Donc je vous remercie. Mais s'il vous plaît, toutes les personnes qui regardent, il y a 95% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Je vous en supplie. C'est gratuit. C'est votre bonne action. Si vous voulez faire plaisir, c'est maintenant, les amis. Ça serait un beau cadeau de Noël pour moi de passer les 600 abonnés avant 2024. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. Avec le petit like aussi, ça, voilà, ça fera un petit cadeau en plus. En plus, c'est gratuit comme cadeau. Donc, n'hésitez pas, vraiment. On y est presque. Plus qu'un peu moins d'une dizaine d'abonnés. Et on arrive aux 600. Je pense qu'on les aura, mais je ne compte pas m'arrêter à 600 abonnés. Et si on peut atteindre les 1000 abonnés l'année prochaine, ça serait insane. Donc, bien entendu, c'est grâce à une grande partie de la communauté de Star Citizen. Donc, je vous en remercie. Je suis royal. Continuez à aimer, à liker mes vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour savoir dans quoi je pourrais m'améliorer, dans quoi je pourrais m'orienter pour faire des gameplays, parce que c'est vrai que là, en ce moment, on est à court de gameplay, hein. On commence à faire pas mal le tour. Donc, si vous avez une petite idée ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en com. Moi, j'étudierai la question, et si vous voyez votre vidéo sur Star Citizen, bah, je vous dirai juste merci à la personne qui m'aura donné l'idée, en tout cas. Je dirai votre blaze, voilà, sachez-le. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve devant la commande pour acheter le béryl, et on se dit à tout de suite. Donc les amis, une fois atterri ici, donc là il y a un peu de tempête, c'est un petit peu chiant, on va dire. Mais voilà, donc je crois que c'est dans celle-ci. J'ai pas envie de me tromper, mais il me semble que quand on avait fait certains trucs, c'était dans celle-ci. Donc, tac, et alors, effectivement, c'est dans celle-ci. Donc, là, vous choisissez, comme d'habitude, votre Caterpillar. Et là, il y a 28 SCU. 28 000. Non, c'est 28. Ça fait 1 200 000. What? Il y a tant de bérils que ça? 27 000. Alors, il doit y avoir une couille quelque part, parce que 27 000, là, j'ai à remplir mon Caterpillar en l'espace de 10 secondes. Hein. Donc, ça veut dire que, vraiment, tout le monde a laissé de côté le commerce, hein, en tout cas pour le béryl. J'irai faire un petit tour tout à l'heure pour voir l'or, si ça rapporte quelque chose. Mais apparemment, tout le monde a laissé de côté le... Après, c'est vrai qu'on est 14, donc c'est un peu normal. Et pendant que j'y suis, les amis, je vous ai dit des trucs tout à l'heure concernant la corpo, qu'on accueille toujours du monde. Je vais mettre en place un Tipeee, pour toutes les personnes qui souhaitent m'aider à... concernant ma chaîne YouTube, donc hop là, qui souhaite m'aider concernant ma chaîne YouTube, qui souhaite me remercier de ces petites vidéos que je fais pour vous aider une game, je mettrai un Tipeee qui sera mis dans la description. Je remercierai à chaque fin de vidéo tous les tipeurs qui ont fait un tip durant un laps de temps, à chaque fin de vidéo. Donc je tiens à le mettre en place parce que c'est pas pour financer ma chaîne YouTube comme pour gagner des millions, mais c'est en partie, on va dire, pour financer des vaisseaux pour ma corpo. Je compte financer pas mal de petits vaisseaux au sein de la corpo, enfin des petits vaisseaux qui restent des gros vaisseaux, mais voilà, je compte mettre ça en place. Donc ceux qui veulent me soutenir, dites-vous que vous me remerciez de faire toutes ces vidéos pour vous aider à faire du commerce, du minage, du salvage, du vulture. Et moi, ça m'aide énormément concernant ma corpo. Je pourrais offrir à ma corpo une petite...
le bon petit vaisseau concernant ça en tout cas. Donc tous ceux qui le feront, je vous en remercie sincèrement du fond du cœur et ceux qui le font pas, je vous aime quand même si vous êtes abonné. Seulement, attention. Donc les amis, on se retrouvera. On va se retrouver à l'Orville. Voilà, normalement, la vente la plus chère, c'est Horizon. Mais Horizon, en ce moment, avec tous les bugs qu'il y a, c'est très chiant de trouver le pad. Mais d'une chiant, c'est la merde. Donc on se retrouve à l'Orville, devant le panneau de l'administration, enfin de là où la commande, quoi, là où on vend tout les minerais. A tout de suite, les amis. Donc, les amis, nous voici au central. Centre d'affaires administratif. Donc, pour venir ici, je vous rappelle que c'est la ligne verte dès que vous arrivez à leur ville et c'est le centre business district. D'accord. Donc, pour tous ceux qui se redemandaient au cas où, je vous donne l'info. C'est par ici qu'il faut aller. Du coup, tac tac. Donc là, j'ai pas été encore voir pour le gold, mais s'il y a 27 000 bérils, donc il y avait vraiment le cas, comme on a pu voir tout à l'heure dans la vidéo, il y a 27 000... Ok. Il y a 27 000 de bérils, donc c'est peut-être un truc à faire actuellement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se concentrent sur autre chose. Mais ça serait peut-être un truc à faire. Le commerce prend de l'importance et ça c'est beau. Donc le truc Caterpillar. Tac, donc le béryl. J'en ai 576. Hop, donc ça fait 1 588 000. Tac. Donc on a fait un bénéfice de 312 000. Donc comment vous dire que c'est quand même pas dégueu. C'est pas insane, mais c'est pas dégueu. Donc voilà. Bah les amis, j'espère qu'en tout cas vous aurez kiffé cette petite vidéo sur le commerce. Une fois de plus, on en fera peut-être un petit peu de temps en temps ce genre de vidéo. Parce que c'est des vidéos en plus que j'aime bien particulièrement parce que c'est chill. Et y a pas 50 000 trucs à expliquer, c'est assez carré. C'est assez droit comme il vient de se passer. Du coup, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'oublie pas, l'accord pour recrute toujours et j'ai ouvert un Tipeee pour ceux qui veulent me soutenir. Et on se retrouve très prochainement soit dans l'accord pour, soit in-game, ou soit dans une nouvelle vidéo. Allez, tchuss tout le monde.